Eh bien, salut à tous les gars, c'est Nano, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vais nickel et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez. Vidéo très très spéciale, ce que vous voulez. Donc la vidéo va consister évidemment à une technique d'acharon. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la tech millionnaire. Donc la tech millionnaire, la technique fut millionnaire, voilà. Elle a apparu dans FIFA 13, il me semble, elle était payante aux alentours des 15$, voilà, c'était des anglais qui l'avaient inventé. Du coup, on va tout simplement je vous expliquer qu'est-ce que c'est cette technique, les gars. Comment la pratiquer, parce que vu son nom, la technique fut millionnaire, c'est la technique, à mon goût, la première technique d'acharon qui a apparu et qui était vraiment très très efficace à l'époque et qui l'est toujours maintenant. C'est pour ça que je vais vous en parler. Donc pour cette technique, les gars, vous rendez dans le marché de transfert de votre FIFA Ultimate Team et tout simplement, voilà, il faut minimum 20 000 crédits pour commencer. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà des joueurs dans la liste de transfert, etc., que je suis en train de vendre. Bref, ça c'est un autre souci. Tout simplement, en fait, et bien vous allez prendre, je vais vous donner une liste de joueurs qui sera soit affichée à l'écran, soit dans la description. N'hésitez pas à checker la description, super important les gars. Voilà, donc dans la description vous aurez la liste de joueurs. Donc il y aura la liste de joueurs pour les petits prix, grands prix. Et après je verrai si je fais un autre classement ou pas. Donc simplement nous on va partir sur des joueurs de base, des joueurs assez faciles à trouver. Donc par exemple les joueurs les plus efficaces pour moi dans la technique fut millionnaire, c'est par exemple Gaël Clichy. Clichy qui est de Barclays, le champion le plus utilisé de la B de FIFA. Tout simplement. Clichy, c'est un joueur qui vaut 1800. On va dire 1800 peut-être. Voilà, donc là il y est à 1800 largement. On va aller avoir à 1700 tout simplement. Je vais essayer de la faire en direct avec vous. Voilà, il a dû la baisser un peu Clichy. Voilà. On doit l'avoir aux alentours des 1600. Voilà, 1600. Tout simplement. Voilà. Donc pour faire appliquer cette technique, fut millionnaire. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est d'avoir tout simplement la liste de joueurs. Dès qu'on a cette liste de joueurs, le but en fait, c'est de avoir un joueur qui a minimum 90 de forme, super important la forme. Pas mal de contrats, minimum 10 contrats, on va essayer de donner aux alentours 10 contrats et 90 de forme. Donc ça je me suis déjà dit 90 de forme. Et voilà, donc voilà, il faut qu'il ait pas mal de contrats. Et bien sûr j'ai oublié un style. De préférence ce serait vraiment bien si par exemple le Galkishi aurait un style comme là. Donc là on va attendre qu'il y en ait un nouveau qui apparaisse. Voilà, donc on en a vu qu'il y en apparaisse là, hop, pilier, toujours pas assez bon. Donc là il n'y a pas trop de choix. C'est dommage là-bas, pilier. À 19 contrats, bon voilà, il n'a pas de style lui. Mais ce qui est important c'est qu'il avait 19 contrats et il est 99 de forme. On l'a chopé à 1600. Donc c'est un peu de mélange avec la Tech 59, vous voyez. J'ai attendu même pas 30 secondes pour en choper un bon prix. Voilà, tout simplement. Et la technique millionnaire vous permet de le revendre 600 voire 800 crédits plus cher. Tout simplement, c'est des petits bénéfices, mais au fur et à mesure, ça y va, j'ai envie de dire, c'est tranquille. Donc le Gaël Clichy, on l'a acheté 1600, on va le mettre à 2400. Non, 2400, 300. On va le mettre à 2300 crédits. Et voilà. Je précise aussi les gars voilà, il y en a qui sont pressés pour faire de l'achat-revente. Tout simplement. Ils sont vraiment pressés. C'est-à-dire que voilà, vous avez acheté l'achat-revente, voilà, je vais faire un discours sur cela. C'est vraiment de la patience. Franchement, j'ai eu du mal au début à faire l'achat-revente. Ça m'a saoulé au bout de 20 minutes là, j'en avais marre, ça m'a gonflé. Et voilà, tout simplement, j'ai envie de dire, il faut relister. Franchement, 6, après, voilà, vous relistez 5 fois, 1 heure, largement, ça part directement, même au bout de la première fois, normalement, ça part, là, le Clichy, il part. Voilà, tout simplement, il faut vraiment penser à relister, normalement, ça part pas du premier coup, mais des fois, voilà, ça part, voilà, tranquillement. On va tester un deuxième joueur, Iturbé, voilà, Iturbé qui marche très bien pour la charmante, bien sûr. Iturbé, on le connaît tous, c'est un monstre. Voilà, donc là on va chercher Iturbé. Juan Manuel Iturbé. On va le chercher à son prix. Donc voilà, franchement je le fais en direct avec vous pour bien vous montrer que cette technique marche largement. Là regardez, c'est vraiment pour petit budget que je suis en train de faire, mais j'aurais pu faire pour grand budget. Je sais pas si vous me comprenez ou pas. Voilà, mais là c'est dommage, c'est qu'il a que 2 contrats. Donc ça vaut pas trop le coup. On va essayer d'augmenter le prix pour voir avec Juan Manuel Iturbé. Donc on va le chercher, bien sûr, il faut vraiment aller vers la fin de la liste transfert, c'est là où il y a les offres les plus intéressantes, car c'est là où le joueur est listé récemment. On va chercher, donc voilà, 14 contrats, c'est vraiment intéressant, surtout qu'il a été transféré, voilà. Donc là, Juan Manuel Iturbé, version Roma, surtout c'est important, parce que sa version transfert, elle est un peu plus chère que l'autre,
Du coup, comme elle est un peu plus chère, 1300, on va le revendre celui-là 800 plus cher. 800 plus cher, et vous allez voir, ça va partir. Hein. Voilà, vous allez voir, on va le revendre à 2000, voilà. On peut, voilà, comme vous voulez, le prix de départ, c'est pas très important. Donc, je vais en finir, évidemment. Ben voilà, tous les critères sont réunis pour faire vraiment beaucoup de bénéfices. Limite 50 000 crédits par heure. C'est possible, vraiment. Si vous avez un peu plus de crédits que moi, tout simplement, vous arrivez, je sais pas, 80 000 crédits, vous faites vraiment du bénéfice de fou. Vous avez 300 000 crédits ou une connerie comme ça, vous faites 400 000 directement. 100 000 crédits, ça passe largement une heure. Voilà. Là, je le fais avec un budget, on va aller voir aux alentours de 20 000, mais comme je vous l'ai répété, j'ai encore des sous dans mon club, bref, je prépare une autre série, du coup, j'ai un peu moins les moyens. Donc, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'achat-revente, j'espère que vous avez compris. Tous les critères seront encore une fois dans la description, je me répète, mais c'est vraiment important, parce qu'il y en a en commentaire, il me gonfle à chaque fois, il me dit, oui, j'ai rien compris, nanana. Et ben, écoute-moi, gros, tu vas dans les commentaires, c'est fait. Tu vas dans la description, ok, je dis. Tu vas dans la description, c'est fait. Voilà, tout simplement, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir, et je vous dis, ciao tout le monde.